Ok, donc on est parti pour la troisième partie. Maintenant, on va continuer de se défendre et on va continuer de faire nos actions de distraction de force de la justice. Là, on va faire tout de suite ça. Ça, on va le détruire. Là, on va l'améliorer. Et là, on va repérer. Au moins, tout ça, ce sera fait. Là, comme ça, on pourra repérer les deux. Ouais, c'est vrai, Loubou, je pourrais le faire, mais il me faudrait plus de sbires aussi, hein. Il me faudra plus de valets. Réduit le talent des agents. Tiens, on va doubler un peu. Voilà. Oh, là, il y a les soldats qui se pointent, attention. Alors, Ivan, est-ce que tu es prêt à y aller? Donc, du coup, j'ai aussi un peu de chance. J'ai fait quelques succès Steam avec Ivan. Genre, affronter bah, celle que tu as vue. Et je l'ai déjà affronté une première fois au corps à corps. Ça s'est bien passé. Les 150 sbires, je les ai atteints. J'ai utilisé mon arme de destruction massive au niveau 2. Et là, je vais tenter de le tester au niveau 3. On my way. On va reculer avec le bazooka. Bon, ça c'est fait. Donc le voilà le fameux magicien. Alors, salle de formation, on s'en fout. Alors, exécuter un scientifique, est-ce qu'il y en a un sous la main? Voilà, hop. Il nous faut un scientifique à dégommer. Pour 5 000, franchement, ça vaut le coup, hein. Ah bon, voilà, hein. Je vais éviter de faire sur des scientifiques du truc de recherche parce que là on va pas s'en sortir sinon. Alors, on va arnaquer des touristes ici et là. On va distraire ces agents pour pas qu'ils viennent. Bon. Là, on va détruire celui-là. On va gagner 3 points. Research has resumed. Là, je fais le truc. Là, c'est un peu long, comme c'est qu'un objet de recherche. This intruder must be discovered and distracted. Voilà. Ils sont plus costauds, ceux-là. Hein. Alors, il nous faut un scientifique à exécuter. Ah bon, viens.
Oui, je cru avec mes sbires, alors. Ça vous pose problème? Je suis un evil genius, alors j'ai le droit d'être cruel. On va faire tout de suite la machination pour le point de force de la justice ici. Pareil ici, comme ça là les deux sont lancés, on aura tout. On aura déjà ça d'accompli. Je vais surveiller un petit peu les plans exécutés scientifiques, ça c'est fait. On va déclencher le Havoc sur la région du sabre, au moins ce sera fait ça. On gagnera un peu plus d'argent. Lui, je sais qu'il me le faut. New optional objective available. Conditionner un soldat. Oh, et ça me demandait du pognon, ça, et de l'électricité. Je sais ce qu'ils veulent que je fasse. Allez, viens à toi. Camarade Ivan, au rapport. Allez, boss. Ok. On est plutôt pas mal là. Là, je vais essayer de grandir un peu ma salle de des coffres. Not enough gold to complete this construction. Voilà. Il nous faut, en fait, je la monte ici tout simplement parce que j'ai besoin d'un certain montant et c'est au-delà de ma capacité actuelle. Donc là c'est fait. On va embarquer du fuel ici. Research has been paused. You're running out of gold. Oui, je sais. Maybe spend less or steal more. Task complete. Ça y est, les forces de la justice sont distraites. Il ne reste plus qu'à faire ces deux objectifs là. Allez, on y est presque. L'un de ville semble avoir amélioré sa sécurité depuis votre dernière visite. Un peu de repérage s'impose. Accès de recherche. Ok. Effectuer un repérage, alors sur le monde, ce serait où? Let's go. Comme ça, ce sera fait. J'attends qu'ici qu'on ait rapporté le carburant nécessaire. Ça, pour le moment, on n'a pas d'agent. Ok. Alors, on est l'absence du carburant. Donc, dans 2 minutes, on aura terminé ici. Il nous faudra encore un point de carburant et on serait à fond. Il faut trouver un point de carburant sur la carte du monde. Oh, génial. Bon, tant pis ici, on fera péter le réseau. Non, on fera pas péter le réseau tout de suite. On va l'utiliser également, ça. On doit exécuter un garde, ok. Alors, Ivan.
mobilisé. Ça, c'est un Mercos. Ça, c'est un Mercos. Ah, oh, bah lui. Voilà. On se met plutôt pas mal comme ça. Oh! Allez, gros Ivan. L'entrepôt dans lequel nous nous sommes introduits contenait le cheval de Troie, le vrai, je veux dire. Imbécile, ce truc en bois nous permettrait d'entrer n'importe où. Fortunately, I know how to get it out of that fortress. Tell me, have you ever read the Iliad? Voler le cheval de Troie. A trap has been triggered. On va avoir le cheval de Troie à la base MDR. Recule, recule, recule. Oh, I will turn a black... Say privilege, too crazy. Targeting hostiles. Voilà. Alors, on va retourner sur l'écran de domination. Là, on va récupérer le carburant et après AVOC puissance 3 ici. Voilà les enquêteurs du sabre. Allez. Et justement, comme je suis un joueur de tout à l'heure, évidemment, le cheval de Troie avec Ivan, c'est obligatoire. C'est politique, c'est obligatoire. Chut. Là, c'est bien. Donc là, hop. Allez. Avoir des enquêteurs sur le dos encore. We will crush them. I'll be back. I'll be back. Bon, normalement on a une caserne assez grande là, c'est plutôt cool. On peut monter à combien en pognon? 78 000. Oh, putain. Voilà, très très bien. On va les redécaler, comme ça on aura de la place. On va mettre... Ah, c'est pas assez large. Ah, c'est pas assez large, mince. Les voilà les enquêteurs, on va les distraire. Alors c'est foiré, merde. On recommence, allez. Ils ont perdu un peu de détermination, c'est plutôt cool. Ici c'est bien, donc là on a 12 birs qui partent.
Ouais, je sais, mais bon, faut bien stocker ça, hein. On peut avoir jusqu'à 86 000 d'argent, c'est plutôt pas mal. Là, je vais essayer de trouver un dernier bidon d'essence. C'est quoi ça? Plusieurs spécialistes de la force cherchent du taf. Ah. Eh. Merde. Ivan le Rouge se prend pour un grec. Hein. Je dis ça, je dis rien. Ok. Donc ça, la centrale, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Faudrait qu'on arrive à capturer un enquêteur, tiens. S'il y en a un qui se repointe, on fera en sorte de le capturer. Il va nous faire aussi du pognon. Alors, le pognon. Où est-ce qu'on pourrait en prendre sans trop de problèmes? Bon, le fuel, c'est obligatoire ici. Il me reste un point d'émission, hein, je rappelle. Là, on a réussi un truc, ça c'est bien. Là, on génère pas mal d'argent. On va remettre où le réseau? On va le remettre là, tiens. On va le remettre en Amérique du Nord, ça pourra servir, nous gagner un peu plus vite de l'argent comme ça. Bon, entre le cochon, ça et le sablier, on est plutôt bien. Hein. Je sais plus si l'ours était considéré comme un élément de butin, logiquement oui. Ouais. Il y a, alors là, il y a un succès Steam pour le jeu, c'est d'avoir... Oh oh. Comment ça? Attends, je crois savoir c'est qui ça. Ah putain, c'est Olga Tomic. Oh non. On va se remobiliser ici. Machination réussite. C'est laquelle? C'est celle pour avoir tout le carburant à fond, j'espère. Voilà. Allez. Allez, on y va au bazooka, on tire dans le tas ici. Non, il prend trop cher, Ivan. Repli, repli, repli. Capture un soldat, la ligne. Elle encaisse, hein. Non, 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 tu te replies. Tu te replies, tu vas clamser si je te fais par pli. Vite. Allez, Ivan, faut se replier là parce que ça pue. T'inquiète pas, ça va pas, tu vas pas t'en sortir.
Voilà. Et là, on avait oublié, tu vois. Ok, bah tu sais quoi. Ça va être l'heure d'utiliser le Havoc niveau 3. On va voir ce que ça donne. Ensuite, on reviendra se soigner. On va utiliser notre arme de destruction massive à fond. On a le carburant. Je pense que ça nous évitera du... Alors, on nous avait dit ici, hein. Alerte générale! On va voir ce que ça donne. Ah. Bon, c'est bien. Là, on va perdre encore des trucs. Oh là là. Vite. J'ai bien fait d'installer plus d'extincteurs ici. Hein. Bon, c'est bien. Allumez le feu. C'est un succès aussi avec Dongzhuo en plus, hein, je rappelle. Bon, cette fois, on a été préventif. On doit recruter des sbires. Bon, ça va aller vite. Je vais attendre que sa détermination soit à plat. Ouh, on va pouvoir faire notre truc de conditionnement là. On va tester un petit peu cet outil que j'avais déjà depuis un moment. T'inquiète pas, ça va pas être plein. Hop. Voilà. Bon, ça se passe bien pour l'instant. J'ai peut-être encore augmenté le nombre de mes sbires. Hein. Avec 12 domestiques, ça fait peu. Hein. Je vais monter à 17 domestiques. Comme ça, là, on sera plutôt pas mal. Donc là, il faut que je cumule 80 000 dollars pour avoir le truc. Où ça? Oh, le bâtard! Voilà, viens là, toi. Le mec a voulu nous piquer du pionnon, mais sérieux quoi. Allez, on va tester ça. Ouais. Allez, on récupère un garde comme ça. On lui a retourné le cerveau. Ok. Capture. Capture. Tuer.
There is intruder to be found. Kill them! I want that intruder found and killed. What, minion? Bon, ça va, ça se passe bien. Ça se passe très bien. A trap has been triggered. Alors, le truc est réparé. On est presque à un niveau projet d'argent total. On doit avoir 82 000 et des patates. Tu vas pas me dire que ça a encore échoué. Bon, alors c'est dans combien de temps? Voilà. On va faire deux interrogatoires simultanés. Attends, c'est Libre à côté qui se sert de ça? Oh, c'est génial! Alors tu vas devenir quoi toi? Un sbire. Bon, c'est toujours ça de prix, hein. Bon bah tant pis, hein. Interrogation success. An agent has given us their secrets. Allez, il faut décoller là. Alors, capture. Merci du raid de Xebus. Bonsoir à tous, bienvenue à tous. On est en pleine action ici. On continue notre expansion de domination mondiale. Aide. Bienvenue, bienvenue. On a de la bagarre contre des soldats. On a des armes à feu maintenant, bon, on progresse. Hein. Et on utilise des armes de destruction massive sur la planète. Hein. Bienvenue à tous. Welcome back, son of Xebus. J'arrive pas à te le dire en anglais, désolé. Oui aussi, Total War. Ça, c'est fait. Hop, on récupère un peu d'argent. Pourquoi j'arrive pas à le faire? C'est chiant ça. Donc là il va nous falloir voler du pognon. Et bon, on va voler du pognon là. Donc là je pense que je pourrais pas le faire avant d'avoir niveau 3 des relais, c'est ça? New optional objective available. Ok, je dois progresser plus dans la campagne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Des postes de garde avancés, des armoires sécurisées, des escaliers. Training resumed. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? On va attendre, on va cumuler l'argent nécessaire. Comme ça, là, on sera peinard. Le jeu des méchants, tout à fait. Là où les méchants peuvent ont une chance de gagner. Bon, et puis on va attendre, on va faire un truc, attendez. Donc là, Ivan y arrive. Ils ont 3 enquêteurs. Bon. On va leur faire une petite accueil explosif. Pourquoi je te dis d'utiliser ton bazooka et tu vas au cac, s'il te plaît?
Non, je te dis d'utiliser ton bazooka. Tu vas utiliser ton bazooka, c'est un ordre. Voilà, c'est ça que je te demandais, merci. Voilà. Ah, j'ai perdu un item. C'est quoi? Ah, ma réception. C'est un accueil explosif, hein, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Alors, je regarderai ici le succès avec Ivan, tiens. Est-ce que c'est un soldat, un sbire spécifique? Attends. Enflammer le super agent du Hammer, ça serait pas mal aussi à faire, tiens, je l'ai oublié. Donc là, il me faut encore recruter des vieux amis avec Ivan. Je l'ai pas déjà fait alors, ça veut dire? Ah si, je l'ai fait, vieille école, je l'avais pas vu. Avec Ivan, tu es 5 ingénieurs avec un bazooka. Bon, bah ça s'est fait aussi. Ok, tout va bien. Et là... On va accélérer un peu, on va essayer de faire la recherche ultime là pour avoir notre truc. C'est notre projet, parce que c'est notre projet bien sûr. Et là peut-être que ça va nous débloquer peut-être avoir les relais niveau 3. Comme ça, ça nous permettra de faire cette mission pour récupérer le cheval de Troie. Oui, oui, on va voler le cheval de Troie bien sûr, qui est encore existant. Oh oh. J'ai entendu un agent s'est échappé. Vite, vite, on peut. Voilà. On va faire un petit lavage de cerveau sur les soldats, regardez. Voilà. Allez, à son tour, comme ça on va récupérer des minions un peu plus gratuites, plus vite et plus et gratuitement surtout. Voilà. Hop, on récupère des petits mercos. Toujours intéressant ça, les mercenaires. Alors. Research has been paused. Allez, let's go. We have captured an agent. Ah bah oui, j'ai compris pourquoi. On n'a pas assez de puissance. Ah, j'ai compris. Bon, là, on va interroger pour les indices, surtout. Parce que là, on est assez bas en termes d'indices. J'espère qu'on aura d'autres trucs d'interrogatoire au fur et à mesure du jeu. Est-ce que certains d'entre vous, parmi les viewers qui sont arrivés de Zebus, ont déjà joué au premier Evigenius ou pas du tout? Allez, venez aider le copain, là. An agent has been subdued and captured. The heat of the criminal network has attracted the forces of justice. Ah. Alors. Oh.
On va tenter de les distraire un peu. Malheureusement, jamais eu l'occasion, non. Bah ça, si vous voulez, moi franchement, si vous voulez, vous intéresse, bah, je vous le conseille, hein. Franchement, essayez de regarder les vidéos du premier pour vous faire une idée. Bon, c'était en 2004, donc évidemment, les moyens technologiques ne sont pas les mêmes que maintenant, hein, bien sûr. Mais franchement, le 2, là, c'est un peu... Ça, moi, je trouve que le côté VGN, ça fait penser à Dungeon et Keeper, et je trouve que ça, c'est cool, quoi. Bon, on en est où pour pourcentage de recherche? 16%. Espèce de limace. Attends, tu vas voir. Je vais te faire bosser, moi. Je vais réessayer une dernière fois. Si j'y arrive vraiment pas, je vais réessayer. Je vais attendre de faire passer les relais au niveau 3. Comme ça, ça marchera. Vite. Donc là, il va nous falloir capturer. Ouais, le premier pour son époque, il était hyper bien, quoi. On peut évidemment pas le comparer au standard d'aujourd'hui, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus. An interrogation has succeeded. We have more intel. Ok. Non, annule. Ça marchera pas parce qu'on est déjà à 12 ici. Je sais pas comment ça se fait. Il faut qu'on attende les recherches de niveau 3 ici. 3 domestiques ici, je veux bien. Quand il nous faut de l'argent. On réussit. Ah putain, encore là le gâteau atomique. Ça devient qu'au tour en Russie là-bas. Bon baiser de Russie. Ouais, les doublages sont vraiment top. Hein. Bon, même si certains reprochent le non-doublage en anglais. En français, pardon. Mais bon, globalement, ça passe. Hein. C'est pas trop compliqué. Hein. En plus, ils traduisent le texte, donc franchement, il y a pire, quoi. Là, il faut que je remonte avec les indices. Donc là, on est déjà à 30%. On va essayer de monter. Pour ça, à 60%, on va voir ce que ça donne. Ouais, non, franchement, Kero 7, ça va, hein, l'anglais. Je pense que la plupart d'entre nous que je connais, des viewers de Zebus, vous jouez presque tous à Blood Bowl. Et je pense que quand on côtoie des joueurs aussi des fois internationaux, bah, ça aide quand même. C'est pas l'anglais non plus shakespearien ou littéraire, mais on se comprend, quoi. La VO avec Emma est vraiment bien faite. James Bond, c'est sympa. Bah moi j'ai préféré la. En fait, j'ai pris Ivan parce que c'est le doubleur que. NHS Mecha, tu m'étonnes. Et en fait, le doubleur d'Ivan le Rouge, ici présent, c'est Brian Bless. C'est un acteur, un doubleur anglophone. Il joue aussi dans le film Robin des Bois de Kevin Costner. En fait, il joue le père de Robin. C'est celui qui se fait cramer au début avec Alan Rickman. Là. Il a aussi fait du doublage donc de Gotthard Gunnarsson dans Total War Warhammer 2. Il a multicasquette, le mec. Il est écrivain, il a fait du théâtre. Laisse tomber, quoi. Mais ce mec est une légende. Et il est encore en vie à 84 ans. Franchement, faire tout ça... Je sais pas si beaucoup d'entre nous pourront à son âge, et je lui tire bien mon chapeau à ce monsieur. Ah, il double depuis quelques temps. Je t'invite à regarder sur sa biographie un petit peu. Ça va faire 30 ans, Kero 7. 1991. Pour te dire, et je les ai pas les 30 ans. Et pour moi, c'est un excellent Robin des Bois. Je pense qu'il est dans le top 3 des adaptations, facile. Toi, un de ces jours, on va... Comment on va te recruter, toi? Research has been paused.
J'ai exécuté la machination. Voilà, comme ça, là, derrière, on l'enchaîne. Là, on a une opportunité en faisant ça. T'avais 9 ou 10 ans à l'époque, on adorait le voir à la télé. À défaut d'avoir... Oui, non, franchement, pour l'époque, je trouve que bah ce film se regarde encore. Bon, je sais pas si on dira ça d'ici une vingtaine, une trentaine d'années, mais franchement, il est top. Allez, est-ce qu'on va récupérer du cheval de Troie, c'est ça la question. Oh, ça va passer, vous allez voir. Yes! Nous avons capturé le cheval de Troie, messieurs. Oh, il est énorme. Wow. Où je vais le mettre, moi? Bon, je pense que mettre un cheval de Troie dans une salle d'archives, c'est pas un mauvais plan. Puis bon, c'est le patrimoine mondial, messieurs, dames, hein, pour votre information. Donc c'est le troisième élément de butin qu'on a acquis. Allez, amenez-moi mon cheval de Troie, s'il vous plaît. Merci. Ouh, le joli objet. Oh, allez, général. Évidemment, sinon c'était pas drôle. Bah évidemment, c'est un peu prévisible. Vite condamner la trappe du cheval de Troie. Voilà. Ah, les salopards, quoi. Il faut faire quoi pour sceller la trappe? Peut-être ça. Collez votre livre, on s'en fout, allez-vous dévoiler tout fait? Non, très bien alors. Alors, tenter un redémarrage, non, c'est pas ça que je veux. Voilà. Je pense qu'à mon avis, il faut que je dégage les cadavres et après ce sera bon. Ah, j'espère. Là, on est en train de compiler aussi nos résultats du point de vue technologique. Ah bah voilà. Alors, franchement, ils ont fait un beau boulot là sur Evigenius 2, j'en suis plutôt satisfait. Même si je maîtrise pas encore totalement le jeu, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai une expérience, mais. Le nouvel élément de butin est à la bonne dans votre base. Nouvel élément de butin, ça c'est fait. On va aller chercher un coup de maître. I'm a man of honor, and if you are too, you'll stay in your lane and out of my territory. Ah, c'est Jubai. I'm afraid I can't do that. I need the same resources, and now you're in the way. Ceux qui sont joués au premier level de Genius, moi j'adore ce personnage. We are at an impasse, and I know of only one way to settle it.
I'd warn you not to underestimate me, but you're not the first, and you won't be the last. Menez l'enquête de vos réseaux criminels. Ici. Où sont les autres ? Lui, on va le bousiller tout de suite. Voilà. Ça nous évite des problèmes. Research has been paused. Ah, ce cheval de Troie. Oui, il était plus jeune qu'Hero 7, tout à fait. Et alors, de ce que je vois, ils ont changé son style de compétence. Il avait un sabre avant. Et là, du coup, il utilisait un bâton. Bon, après, avec l'âge et tout, je pense que ça peut être ça. Bah, si tu veux voir la différence, Hero 7, je t'invite à taper Jubai Evil Genius 1 et tu compares avec le 2. Tu verras. Putain, moi, si un jour on me disait qu'il y avait un remaster d'Evil Genius, alors là, je dis oui. Mais bon, les chances sont faibles, on va pas se le cacher. Là, on a besoin d'indices, on va les récupérer. Ah oui, j'avais vu une capture furtive d'un gars avec la même coupe cheveux noirs. Ouais. Bon, il n'y avait pas de lunettes non plus, bien sûr, à l'époque. Bon, on va voir où il faut aller. Et quoi ça? Les coffres grâce au cheval de Troie, ça devrait le faire. Attends, elle surveille tout, elle. Bon, on va le faire ici, allez. Olga Atomique avait ultra relou. I will not stop until my enemy is dead. Ok, donc là on arrive bientôt à la fin de l'enquête là, enfin de la recherche. An interrogation has succeeded. There's an opportunity on the world stage. Ah, il est long hein, quand même. Mais bon, là, je suis pas mécontent de cette conditionneuse. Bon. C'est pas mal tout ça. En plus, la nosebeer va devenir plus costaud. Niveau électricité, on est large. On a des enquêteurs. Attends, où ils sont là? Allez en général! On va essayer de capturer des soldats aussi. Oh ouais, elle va nous faire très mal hein. Ah, il a mitraillé, je ne vois pas. Allez là. Elle est très dangereuse. Hein. Voilà. Ça veut dire quoi? Au revoir. Voilà. Là, on va faire du conditionnement, tu vas voir. Bon, elle nous met cher hein, avec ces opérations. Bon, après, c'est de notre faute aussi. On y est allé pendant qu'elle surveille le territoire. Donc, bon.
Là-dessus, on va le faire tout de suite. On va neutraliser cette menace ici. Ah, bon sang. Le technicien réussit à l'effrayer MDR. Allez, on va conditionner les soldats, comme ça on va recanner des sbires. Hop, ça devient un garde, c'est bien. Allez. Si on peut récupérer Jubai, ce serait génial. This intruder must be captured if you find them. Oh, lui, il a pris le tarif. On my way. They're going. I'll capture them myself. Bon bah c'est bien, c'est bien. Là, on va essayer de capturer ces agents, on va récupérer des points d'indices, il nous en faudra au moins une centaine. Il faudrait qu'on arrive à fond pour être tranquille. Oh, il y a de nouveaux enquêteurs derrière. Training resumed. Research has been paused. Allez, 97%, on va te débloquer ici. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait un petit peu ça avec la jonction du 1, avec la différence. On voit qu'avec Ivan, bon, on voit la différence quand même entre sa danse avec, dans le premier avec le bazooka. Et là, maintenant... Allez, deuxième interrogatoire, let's go. Ellie s'éclate, on va le laisser faire. Voilà, on récupère pas mal d'indices comme ça, ça c'est très bien. Alors, c'est quoi ça? Donc ça, y en a réussi deux de notre coup là, avec le réseau, ici. Y a rien de nouveau. Alors. Allez-y, 3 tirs d'essai avec l'arme, puis chargez votre département de synthèse des résultats, ça risque de prendre un certain temps. Ok. Allez, 15 000, 10 ouvriers, 5 indices. General, we've completed all our tests. Havoc needs work, but shows great promise. It is good that such awesome power rests in hands of a man like me, one of wisdom, calm, patience. Bien sûr. But peace knows you have it and has declared war on you. How dare they challenge me on my day of victory? I will kick their heads into the sun like tiny footballs. Let them come. They have forgotten. There is nothing Red Ivan understands better than war. Allez, petite référence à Sun Tzu. Alors, interroger les soldats du PIS, déstabiliser l'Anvil, le Patriote. On doit déstabiliser chaque structure, si j'ai bien suivi l'histoire. Oh, ça va être coton, ça.
Alors comment on les déstabilise? Il y a un truc. Your criminal networks are idle. Consider running some schemes. Donc on va avoir 5 soldats qui vont débarquer de chaque truc. Mais comment tu veux les déstabiliser? Il y a un truc, attends, je vais dire. Le peuple, ouais. Bon, on va voir. Ok. Bon, bon, on va s'arrêter là pour cette troisième partie de VOD. On va en faire encore une. J'espère que ça vous a plu. Donc là, on va faire Guerre et Peace, la référence à Tolstoï, Guerre et Paix, bien sûr. On se dit à la prochaine pour nos aventures YouTube. Ciao, ciao.